Molt bona tarda. Realment fa molt goig poder fer aquest acte sobre Proust, Proust 100 anys després, amb persones d'una reconegudíssima trajectòria al voltant de l'estudi i el coneixement de Proust des de diferents perspectives, com a estudiosos i com a traductors. Abans de presentar la taula d'avui, us volia comentar que, de fet, Proust és un autor tan important a Catalunya que des de l'any 18, que justament aquí a l'Ateneu ja va ser el Quim Borrelleres que va començar a entusiasmar-se amb Proust, just també quan a París i a França en general ja s'estava començant a llegir amb més profunditat la recherche, i ha estat, diguéssim, una persona, una obra constantment traduïda i coneguda al llarg de tot el segle XX i fins avui mateix. No deixa de ser curiós que hi hagin tantes traduccions acabades de sortir de premsa en aquests moments a les llibreries sobre Proust. No? Això ha fet que hi havia tant volum d'activitats de diferents, diguéssim, entitats, que ens vam aplegar i vam dir, bé, farem una tardor prusiana a Barcelona. I cal dir que aquestes activitats, diríem que després de París, Barcelona és la ciutat que n'acull més. I en aquest sentit volia recordar, doncs, evidentment, l'Institut Francès, però el Museu d'Història de la Ciutat, l'AIE, la Fundació Vilacases, una exposició, la Filmoteca, el mes de desembre, passarà 4 pel·lícules sobre Proust, el Born també va celebrar un acte el passat dia 18, i fins i tot nosaltres amb un acte no n'hem tingut prou, i el dia 12 de desembre la secció de filosofia en farà una altra. Per tant, ja veieu que tenim realment una estesa, no, d'actes al voltant de Proust. La presentació d'avui serà, diguéssim, una conversa, que després vosaltres també hi podeu participar, en francès i en català, bàsicament en francès, perquè la Mireille Naturel, que és professora a la Sorbonne, Nobel, i una de les grans estudioses de Proust, dos dels seus últims llibres són Proust, l'Arche i la Colomba, i Proust, Proust et Flaubert, en secret d'écriture, que s'acaben també de publicar un d'aquests. Però, a més, és molt, molt reconeguda perquè gairebé des del principi de l'edició del butlletí de la Societat Proustiana Francesa, doncs ella ha estat la que ha estat al capdavant d'aquesta edició, i, a més, és la secretària, ha estat fins l'any passat, em sembla, la secretària general de l'Associació d'Amics de Marcel Proust a França. Amb ella tenim el gust de presentar, per una banda, Amadeu Cuito, que tots coneixeu, i Valèria Gallard. Amadeu Cuito ha estat, entre altres coses, president durant molts anys també de la Societat Catalana d'Amics de Marcel Proust, i també tothom el coneix per les seves obres narratives, de narrador. D'altra banda, tenim, com us deia, la Valèria Gallard, que a més agraeixo moltíssim perquè ha fet les gestions perquè la professora Mireille Naturel pogués ser aquí avui, i que també és la secretària general de l'Associació Catalana d'Amics de Marcel Proust. A més, com sabeu, és traductora de Proust, coneixedora de la seva obra, i aquest any, a més, fa com una mica d'ambaixadora de Proust en la quantitat d'actes que s'estan fent arreu, tant aquí com a França. Per tant, moltíssimes gràcies, Mireille, Amadeu i Valèria, d'estar avui aquí. Tindrem ocasió després de fer preguntes, comentaris, quan ells hagin acabat de fer la seva presentació. Gràcies. Alors, je ne sais pas, Madame Naturel, si vous savez que dans cette maison, dans cette auguste maison,
en vie de Proust, il y avait un colloque, un fameux colloque, d'un docteur, du fameux docteur Borralleres, qui avait introduit la lecture de Proust parmi, qui avait fait de la lecture de Proust un des sujets de son colloque. Donc, dès le début, alors que Proust était encore en vie, on commentait Proust dans cette auguste maison. Après, il y a eu d'autres intellectuels de l'époque qui ont écrit des choses sur Proust. Proust a même été traduit en catalan tout au début par un autre, par Bofill i Ferro, un intellectuel et poète de l'époque. Donc vous êtes bien entouré. Et je crois qu'on vous écoutera, avec plaisir et surtout avec grand intérêt. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cuito. Vous êtes le président très actif de la Société des Amis de Proust catalane, dont je salue le dynamisme. Je voudrais remercier Madame la directrice de l'Athénée de Barcelone de nous avoir accueillis si chaleureusement. Et évidemment, Valéria Gaillard, qui est en train de devenir une amie, je crois, qui vient régulièrement en France, même à Illiers-Combray, où j'ai créé récemment l'Association des rencontres internationales proustiennes. Et Valéria représente évidemment la Catalogne dans ces rencontres internationales. Donc, et bravo pour tout ce qui est fait pour Proust à Barcelone, notamment à travers cette société que je connais depuis longtemps, quand j'étais secrétaire générale des Amis de Marcel Proust, dont le siège est à Illiers-Combray. Nous avions des relations déjà régulières entre nos deux associations. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et de parler de Proust et de voir qu'on célèbre le centenaire de Proust à Barcelone. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer, vous pouvez dresser le bilan. Quel bilan dressez-vous de ces centenaires? On commémore le 100 ans de la mort de Marcel Proust. Quel est alors votre bilan quand on voit l'engouement qu'on voit un peu partout dans le monde? Je pense que c'est un bilan très satisfaisant, aussi bien quantitativement que qualitativement. Il y a eu énormément de manifestations, je ne pourrais pas toutes vous les citer, déjà 3 grandes expositions à Paris. Et on a commencé avant 2022. Hein, l'exposition au musée Carnavalet, Proust, un roman parisien, a commencé à l'automne 2021. Ensuite, il y a une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, du côté de la mer. Et enfin, la fabrique de l'œuvre, à l'heure actuelle, à la Bibliothèque nationale de France, qui va se poursuivre jusqu'au 23 janvier. Donc, ce sont 3 événements phares de cette célébration. Mais il n'y a pas eu que cela, et il y a eu des manifestations vraiment dans tous les genres et dans tous les lieux. Je pense que chaque personne responsable d'un lieu culturel, d'une association culturelle, a voulu rendre hommage à Proust. Et cela, je trouve que dans tous les genres, dans tous les styles, et cela, je trouve que c'est vraiment remarquable. Et à l'étranger également. Il y a un mois, j'ai été invitée en Turquie pour une semaine Proust. Et donc, c'était très, très touchant aussi de voir qu'à Istanbul, on célébrait le génie de Proust. Parce que je crois qu'on peut parler de génie en ce qui concerne Proust, qui est considéré par Tadié, qui est lui-même considéré comme le plus grand spécialiste de Proust, comme le plus grand écrivain français du XXe siècle. Et donc, les médias se sont aussi énormément mobilisés. Bon, je crois qu'il va falloir que ça s'arrête néanmoins, parce que là, c'est vraiment presque une overdose de Proust, surtout pour ceux qui ne sont pas proustiens. Pensons à eux. Et donc, vous ne pouviez plus écouter France Inter ou France Culture sans tomber sur une émission sur Proust. Au départ, c'était avec les Proustiens, les spécialistes de Proust. Et puis ensuite, il y a eu des invités très, très, très divers, des intellectuels, des artistes, qui tous s'intéressent à Proust. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Plutôt, je sais pour quelle raison nous avons constitué cette société d'être des amis de Marcel Proust. Elle est fruit d'une circonstance,
c'est que aussi bien Mireille Naturel, pardon, aussi bien Valérie Gaillard que notre ami Joseph Maria Pinto, que je ne sais pas s'il est présent parmi nous, peut-être il vit comme il vit en France, il est probablement pas encore parmi nous, mais ils sont venus à la maison consulter quelques livres de la bibliothèque que mon père avait commencé dans les années 50. Et ils ne se connaissaient pas entre eux. Alors, je les ai présentés, et de là est née, ils sont venus avec quelques amis, et de là est née l'idée d'une association à laquelle je ne pouvais pas me refuser d'être président en tant que gardien de cette bibliothèque qui existait depuis l'époque où je l'ai fait revenir de Paris, où, comme vous le savez peut-être, nous étions exilés depuis les années de la guerre, de notre guerre, pas de la guerre mondiale. Je dois dire que c'est peut-être Valérie Gaillard et Joseph Maria Pinto qui sont les vrais initiateurs de ce revival de l'intérêt proustien pour en Catalogne. Et c'est eux probablement qui ont repris le flambeau des Joseph Pla et des participants de ce fameux colloque auquel je faisais allusion et qui avait lieu dans cette maison. Je crois que peut-être il serait intéressant si vous pouviez nous donner un aperçu de la réédition de votre dernier livre, puisque en quelque sorte il complète un peu le panorama proustien Urbi et Orbi, et il fait référence à tous les aspects du monde proustien et ce qui vient, ce qui est exactement le moment de peut-être d'en parler d'une façon plus extensive. Avec plaisir, monsieur Cuiteau. Donc le voici, c'est Marcel Proust, L'Arche et la Colombe. C'est une réédition. La première édition avait vu le jour en 2012, donc juste avant la célébration du prix Goncourt que Proust a obtenu pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'était une édition plus imposante esthétiquement. Le format était plus grand, du papier glacé. Mais vous savez, quand il y a une réédition, on passe à un format plus accessible. Et c'est vrai que ça se range plus facilement dans les bibliothèques. Bon, il était épuisé. Et la petite touche d'originalité de cette édition, c'est la couleur rose, qui était la couleur préférée de Proust. Hein. Proust aimait beaucoup les couleurs. Vous avez sans doute entendu parler des questionnaires de Proust. Hein. Généralement, on connaît le questionnaire avant de connaître Proust, et c'est déjà une bonne façon d'entrer en matière. On en connaissait deux, et on en a découvert un troisième il n'y a pas très longtemps. C'est ça aussi qui est fascinant dans le milieu proustien, c'est qu'on découvre sans cesse de nouvelles choses. On pourrait croire que tout a été dit sur Proust. Oui, tout a été dit, mais on trouve des manuscrits, et en tout cas, on a trouvé un questionnaire. Donc, dans le premier questionnaire, on lui demande « Quelle est votre couleur préférée ?» Et à ce moment-là, il dit « Je n'ai pas de couleur préférée, je préfère l'harmonie dans les couleurs. » Mais dans son œuvre, c'est marqué beaucoup plus précisément sa préférence pour la couleur rose et également la couleur violette. Donc, c'est un petit clin d'œil à Proust, pour lui faire plaisir, hein, pour les 100 ans, que le choix de cette couleur rose. Alors, le sous-titre, il paraît qu'il intrigue. J'ai participé à un salon du livre il y a quelques jours à Paris, et une de mes voisines me dit « Ah, mais ce sous-titre, c'est dommage qu'il ne soit pas explicité. » Alors, je lui ai répondu « Mais un titre ou un sous-titre a pour fonction d'attirer, évidemment, l'intérêt du lecteur, mais aussi d'aiguiser sa curiosité. » Donc, « L'Arche et la Colombe », eh bien, fait référence à l'arche de Noé. Et c'est Proust lui-même qui utilise cette image dans la préface à son recueil « Les plaisirs et les jours ». On connaît Proust pour « À la recherche du temps perdu », son œuvre magistrale.
Mais il faut savoir qu'il a publié une première œuvre avant qui a été méconnue, qui a été dénigrée, alors que moi je l'aime beaucoup et je l'étudiais à l'université. Et je dis que les personnes qui n'auraient pas envie de lire cette masque à la recherche du temps perdu pourraient commencer par Les plaisirs et les jours. C'est un recueil de nouvelles qui prépare en plus parfaitement à la recherche du temps perdu. Et dans la préface, Proust dit qu'il est comme Noé sur son arche, c'est-à-dire isolé du monde, puisque Proust, plus il avançait en âge, plus il se retirait du monde. Bon, on dit toujours Proust un mondain. C'est une étiquette qu'on lui a collée, mais qui n'est pas totalement juste. Il a eu une activité mondaine, ça c'est sûr. Il aimait fréquenter le Ritz, il aimait inviter au Ritz. Enfin, il a eu toute une vie dans ce grand hôtel de la place Vendôme. Mais à la fin de sa vie, quand il écrivait toute la nuit, hein, puisque c'est un écrivain de la nuit, Proust, hein, il avait des problèmes d'asthme, et donc il écrivait la nuit, eh bien, il se retirait du monde, comme Noé sur son arche. Et le seul lien qu'il avait avec le monde extérieur, c'était sa mère. Et donc sa mère, qu'il adorait, c'est la colombe qui assure le lien entre Noé et le monde extérieur. Et il estime que c'est la meilleure situation pour mieux percevoir le monde quand on est à l'écart de ce monde. Et cette mère a joué un rôle fondamental pour lui. Et il y a notamment dans la recherche un motif que j'aime beaucoup, enfin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, l'article dans le Figaro. Proust a beaucoup publié dans le Figaro et dans d'autres journaux, et son héros attend, qui va devenir écrivain, hein, à la recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un jeu qui veut devenir écrivain et qui trouve sa vocation dans le 7e volume, hein, donc il faut être patient. Et quand le héros a trouvé sa vocation, bien l'auteur referme son livre et c'est le héros, évidemment d'un point de vue imaginaire, qui va se mettre à lui succéder. Donc, je deviens écrivain dans cette œuvre. Et donc, son héros attend avec angoisse la découverte de cette vocation et il attend d'être publié. Vous savez, quand vous commencez à écrire, l'étape de la publication est une étape très importante. Quand on a publié son premier livre, on est sauvé. Mais il faut publier son premier livre. Et Proust, qui est donc le plus grand écrivain du XXe siècle, comme je vous le disais, eh bien, ne trouvait pas d'éditeur. Donc, si vous êtes écrivain, si vous ne trouvez pas d'éditeur pour le moment, ne vous découragez pas. Et il a publié son premier livre, Du côté de chez Swann, à compte d'auteur chez Grasset. Donc, son héros connaît aussi cette angoisse de la publication et d'un article dans le Figaro. Et c'est à la fin de l'œuvre, dans Albertine disparue, qu'il apprend que son article vient d'être publié. Et c'est sa mère qui lui apporte le courrier et les journaux le matin. Et à la suite de cela, il peut s'endormir puisqu'il a travaillé toute la nuit. Donc, L'Arche et la Colombe, voilà le sous-titre. Alors, la conception de ce livre, j'ai voulu que ce soit un peu... Bon, c'est un livre grand public, hein, c'est un album d'une écriture, je pense, tout à fait simple et qui est très, très bien illustré. Alors, je me permets de dire cela parce que je ne suis pas responsable de l'iconographie. Enfin, j'en ai choisi quelques-unes, mais pas toutes. Et certes, il retrace la biographie de Proust, les grandes étapes de sa création, mais j'ai choisi aussi des angles d'approche un peu moins développés, comme Sur la lecture, qui est une préface à la traduction de Ruskin, Sésame et Lélis, ou Céleste, lorsqu'elle intervient dans l'œuvre de Proust, bien évidemment les peintures aussi, puisque la peinture joue un rôle important. Et je crois, si je me souviens bien, qu'il y a 7 entrées, parce que À la recherche du temps perdu comporte 7 volumes, et que le chiffre 7 est symbolique pour Proust. Pour la musique, qui est un thème essentiel, il commence avec la sonate de Vinteuil, et il finit avec le Septuor de Vinteuil. Donc.
Et par rapport à la première édition, est-ce qu'il y a de changements ou... Alors, j'ai tenu compte des petites découvertes dont je vous parlais. Il y a des petites, il y a des grandes. Donc, notamment les questionnaires, puisqu'on a découvert un troisième questionnaire. Et donc, j'ai transformé mon 2 en 3. Et puis, j'ai une légende aussi qui était devenue inexacte. Proust au bord de la mer. Et on voyait cette photographie partout et cette légende partout. Et il y a un érudit proustien qui est un médecin à Cabourg, qui est l'ancien maire de Cabourg en plus, qui adore faire des petites recherches très, très pointues et qui a dit « mais c'est pas possible, c'est pas la mer, c'est une voie de chemin de fer que l'on voit ». Et à partir de là, il a fait donc ses petites recherches et il a découvert que Proust était au bord d'une gare qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Donc ce genre de choses, un autre lieu qui avait été mal légendé. Et j'ai refait aussi le chapitre « Le rayonnement international de Proust » parce que j'y tiens beaucoup à cet aspect. Et donc, des choses s'étaient passées en 10 ans. Et donc, j'ai refait cela. J'ai mis à jour la bibliographie également. Je continue ou... Vas-y. Bon, vous avez dit tout à l'heure, en fait, qu'on trouve constamment de nouveaux documents, des inédits autour de Marcel Proust. Mais quelles sont les lignes principales de recherche aujourd'hui sur Proust ? Disons que la ligne de recherche qui s'impose le plus, bon, elle concerne les spécialistes, les chercheurs, c'est justement l'exploitation des manuscrits, des inédits. Il y a un véritable culte de l'inédit en France, à propos de Proust, mais aussi à propos de Céline, à propos même de chanteurs. On retrouve des chansons que l'on ne connaissait pas. Cela fait vendre, il faut bien le reconnaître, mais ça fait aussi avancer la recherche. Et évidemment, très souvent, on les retrouve, comme par hasard, au moment d'une célébration. Alors, il y a un grand Proustien qui s'appelait Bernard de Fallois, qui a été le premier à publier le Contre Sainte-Beuve, d'abord Jean Santeuil, 1952, et le Contre Sainte-Beuve en 1954, à partir de manuscrits que lui avait confié la nièce de Proust, Suzy Mante-Proust. Et dans le Contre Sainte-Beuve, dans l'introduction du Contre Sainte-Beuve, il cite 75 feuillets que nous n'avons jamais vus, qui ont disparu depuis 1954. Et pour nous, Proustiens, c'était quelque chose que l'on attendait avec impatience, parce qu'on est toujours à la recherche de l'origine. La critique génétique étudie la création de l'œuvre à partir des premières notes jusqu'aux éditions et même les rééditions, donc toute l'évolution qu'elle décrit, mais qu'elle interprète aussi. Et donc, on connaissait simplement un épisode, Robert et le chevreau, bon, je pourrais revenir si vous voulez là-dessus, et tout cela, tout le reste avait disparu. Or, Bernard de Fallois est décédé en 2018. Et donc là, évidemment, certaines personnes particulièrement futées sont parties regarder ce qu'il y avait dans ses malles, dans sa maison d'édition. Et on a d'abord trouvé des nouvelles inédites qu'un collègue, Luc Fraisse, a publiées. Et ensuite, Nathalie Mauriac, d'ailleurs, qui représente les héritiers de Proust et qui, en même temps, est chercheur au CNRS, a publié les 75 feuillets. Donc, c'est une étape qui précède les cahiers de brouillon. Parce que jusqu'à maintenant, on travaillait sur les 75 cahiers de brouillon qui ont été déposés par la famille à la Bibliothèque nationale de France et qui sont numérisés, tous. Donc, si vous êtes curieux de voir l'écriture de Proust, ses ratures, ses multiples ratures, vous allez sur Internet, Google, enfin, ou le moteur de recherche que vous voulez, BNF Gallica, G-A-2-L-I-C-A, Proust manuscrit, et vous allez trouver les cahiers de brouillon de Proust.
Mais bon, on savait déjà qu'il y avait une étape antérieure avec des carnets, des petits carnets, il en a utilisé 4. Et puis, il y a cette étape encore plus ancienne, qui est celle des 75 feuillets, qui date très certainement de 1907, alors que le premier volume est publié en 1913. Donc, ces feuillets sont une révélation. Alors, évidemment, parce qu'on y retrouve déjà les noyaux romanesques que l'on va trouver dans la recherche, mais avec quelques modifications, et notamment des prénoms apparaissent, et ce sont les prénoms de la biographie de Proust, alors qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas faire une œuvre autobiographique et qu'il ne voulait surtout pas que l'on fasse une critique biographique de son œuvre. Or, là, dans les 75 feuillets, on voit que la grand-mère s'appelle Adèle, que la mère s'appelle Jeanne, et donc l'aspect biographique, il était bien présent, mais il l'a gommé petit à petit. Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté précisément, ces inédits? Est-ce qu'on voit autrement la recherche ou finalement, bon, c'est juste voir les origines, mais pourquoi sont-ils importants? Ils sont importants parce qu'on voit comment Proust part du réel et s'en détache peu à peu pour faire une œuvre universelle, assez abstraite finalement, et très construite. L'œuvre de Proust, c'est une démonstration philosophique, poétique, mais c'est une démonstration. Et cela, c'est arrivé progressivement. Bon, par exemple, l'inédit, il y a deux inédits majeurs, hein, c'est le Jean Santeuil et le Contre Sainte-Beuve. Alors, le Jean Santeuil, c'est un roman autobiographique. Jean, c'est lui. Bon, il s'appelait Marcel, mais là, il s'est appelé Jean. Mais il l'écrit à la troisième personne, alors que c'est lui, hein, et qu'il cite ses amis, parfois en les appelant autrement que dans la réalité. Donc, c'est un ouvrage autobiographique, et peu à peu, il va se détacher de cela. Bon, par exemple, il va gommer deux caractéristiques de sa personne. Sa mère s'appelait Jeanne Veil, hein, donc sa mère était juive, son père était d'origine chrétienne. On dit qu'il était homosexuel, et son héros, dans la recherche, n'est ni juif ni homosexuel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il renonce à parler de la judaïté, ni qu'il renonce à parler de l'homosexualité. Non, hein, il y a deux volumes qui s'appellent Sodome et Gomorre. Mais il en fait autre chose. Il travaille, et il transpose ses caractéristiques à divers personnages. Vous avez fait référence aux fameuses paperoles et à la façon que l'on peut consulter aujourd'hui par Internet, dont vous avez cité le titre, pour connaître la façon. Quel était l'atelier où Proust a écrit au cours de sa longue vie et surtout tout au cours où il a écrit la recherche? Comment elle était écrite? Dans quel atelier elle était écrite? Alors, je ne sais pas si nous avons parmi nous un des traducteurs de Madame Bovary, mais je voulais vous poser la question. Vous avez écrit un remarquable livre bien avant celui que nous avons commenté tout à l'heure, qui fait référence au secret de l'écriture. Un secret que dans le cas de Flaubert et dans le cas de Proust, n'est pas du tout le même, mais où il y a des points de connexion. Alors, l'atelier d'écriture de Proust était peut-être différent de celui de Flaubert, mais il y avait une certaine connexion, et ce livre qui pénètre dans l'intertextualité entre les deux écrivains est particulièrement remarquable. Je ne sais pas si notre ami
si notre ami traducteur de Madame Bovary est parmi nous, mais ça l'intéressera énormément d'entendre ce que l'opinion de Madame Naturel au sujet de ce remarquable livre qui ouvre des perspectives extraordinaires sur la façon d'écrire aussi bien de l'un que de l'autre. Merci, Monsieur Cuiteau, de citer cet ouvrage, qui est celui-ci un ouvrage de recherche, hein, celui-ci est un ouvrage grand public. Eh bien, Proust et Flaubert ont en commun le culte de l'écriture. Ce sont deux écrivains qui n'écrivaient pas du premier jet, contrairement à Stendhal, par exemple, qui a écrit La Chartreuse de Parme en 53 jours, hein, si je me souviens bien. Flaubert met 5 ans à écrire Madame Bovary et il en parle de ce travail fastidieux dans sa correspondance. Elle est très intéressante, la correspondance de Flaubert, et il parle des affres de la création. Il souffre. Alors certains pensent que c'est un plaisir d'écrire. Oui, sans doute qu'il y a une certaine part de plaisir, mais il y a aussi une part de souffrance quand on a un but, qu'on veut l'atteindre et qu'on n'arrive pas à trouver exactement les mots, le style qu'il faut. Donc l'un et l'autre sont de grands spécialistes du style. Et, mais Flaubert se servait aussi de faits divers, hein, en tout cas pour Madame Bovary. Madame Bovary, c'est une histoire qui est d'adultère qui a eu lieu dans sa Normandie natale. On peut aller voir le village où ça s'est passé. Donc il y a un ancrage tout à fait réaliste, mais qu'il a ensuite surpassé, sublimé par la création littéraire. Et le lien entre Proust et Flaubert, c'est un lien de fascination. Proust, avant d'être un écrivain, est un lecteur. Et d'ailleurs, il a écrit une préface à la traduction de Sésame et Lélis, que Valéria Gaillard doit très bien connaître, qui s'appelle « Sur la lecture ». Les œuvres de Ruskin ne sont pas d'un intérêt capital. Proust en a fait la traduction sans connaître la langue d'origine. Mais c'est sa mère qui, paraît-il, a fait le premier travail et lui a donné un aspect littéraire. Mais ce qui est intéressant, ce sont les notes de Proust et c'est cette préface à « Sur la lecture ». Il vante vraiment les bienfaits de la lecture. Passer une journée avec un livre, eh bien, on n'a pas perdu son temps, pas du tout. Et puis, quand on lit, les circonstances dans lesquelles on a lu restent présentes à la mémoire autant que le contenu du livre. Donc, Proust est un très grand lecteur. Il a d'ailleurs représenté aussi le lecteur dans son œuvre. Je vous parlais tout à l'heure de l'article dans le Figaro. Eh bien, quand il apprend la publication de l'article dans le Figaro, il pense à ses lecteurs. Et il va voir les uns et les autres, et il est très déçu, parce qu'il pensait que son entourage favorisé intellectuellement, l'entourage du héros, hein, allait avoir lu cet article. Et pas du tout, en fait, les lettres de félicitations qu'il reçoit, ce sont deux lettres du village de Combray. Donc, la lecture est un thème clé dans l'œuvre de Proust, et ces deux livres modèles, qu'il cite à la fin de La recherche du temps perdu, sont Les mémoires de Saint-Simon, les mémoires, et puis la description d'une société qui est présente aussi comme thème à la recherche, et surtout Les mille et une nuits. Bon, éventuellement, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, un grand lecteur, mais il est tout à fait lucide. Il a peur d'être, entre guillemets, contaminé par ses lectures. Donc, il invente, enfin, il pratique, parce que cela existait évidemment avant lui, il se met à pratiquer le pastiche. Il imite les écrivains qu'il admire le plus pour les dépasser et adopter une écriture personnelle. Il parle de la vertu purgative du pastiche. Quand volontairement
on imite l'autre, et bien ensuite, quand on écrira personnellement, on ne l'imitera plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas certaines caractéristiques de l'œuvre de Flaubert dans Proust. Mais en tout cas, ce n'est pas une imitation involontaire. Et il a écrit un magnifique article sur Flaubert à propos du style de Flaubert, publié dans la NRF le 1er janvier, je crois, 1922 ou 21, il faudrait que je vérifie. Et c'est intéressant de voir les conditions d'écriture de cet article. En fait, il prend la défense de Flaubert, parce que Flaubert était attaqué dans la presse. On disait de lui que ce n'était pas un grand écrivain, que c'était un ouvrier de la littérature, parce qu'il n'avait pas l'inspiration, qu'il devait réécrire ses cahiers, ses pages, X fois. Et donc, en défendant Flaubert, Proust se défend lui-même, puisqu'il a la même pratique d'écriture. Donc, ce sont des écrivains qui ont travaillé de la même façon et avec le même sens de la sacralisation de la littérature et qui se sont donnés véritablement à la littérature. Il y a quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma perception, mais il y a quand même une différence fondamentale entre une façon d'écrire et l'autre. Proust, vous dites qu'il n'écrit pas spontanément, mais il écrit comme il respire un peu. C'est évident qu'il change, il ajoute, il compose, il change de place, mais il ne polit pas. Alors qu'on a l'impression que Flaubert, une fois craché son écrit, il le récupère dans l'atelier et il le lime et il le polit, probablement pour éviter la possible censure de laquelle il sera d'ailleurs victime. Mais il y a deux procédés quand même différents. Un, écrit d'une façon très naturelle et très spontanée, et ensuite change de place, éventuellement développe un certain aspect, change de place des scènes, mais la pulsion est soutenue, on la sent. Alors que dans Flaubert, on a l'impression que c'est plus refait, c'est plus parfait, c'est plus limé, c'est plus poli. Oui. Alors, il y a quand même une différence fondamentale entre une écriture et l'autre. Vous avez tout à fait raison. Je pense à la correspondance, où quand on lit la correspondance, on se dit, mais comment est-ce qu'il a pu écrire des choses aussi polies et aussi terminées et aussi parfaites que, par exemple, la Tentation de Saint-Antoine ou la Salambeau. Et comment se fait-il qu'en même temps, la correspondance, il y a des choses qui sont d'une force, qui sont vraiment comme des crachats, quoi. Ils jettent ça dans la nature sans se préoccuper de les polir, ni absolument. Même dans les fameux brouillons qu'on a publiés, il y a des quantités de choses, des rappels qui sont spectaculaires par leur force. Et ensuite, cette force est ramassée, polie, refaite, quelque part. Alors, je ne sais pas si mon appréciation est valable, mais je voulais vous poser la question. On en a d'ailleurs parlé d'autres fois, mais bon. Alors, je pense que pour Proust, la composition, c'est très important. J'entends par composition la place à attribuer à une unité textuelle. Lorsque Du côté de chez Swann est paru, il a été l'objet de sévères critiques. On ne comprenait rien à son histoire. Bon, c'est vrai que les premières pages sont assez décourageantes. Mais on ne voyait pas où il voulait en venir.
Et il y a notamment un critique qui s'appelait Madeleine qui le prenait pour un cerveau malade, tout simplement. Et Proust s'est défendu en disant « On comprendra véritablement le sens de mon œuvre quand elle aura été publiée entièrement. » Bon, c'est un peu, peut-être un peu décourageant pour le lecteur, puisque l'œuvre a 7 volumes, mais les 2 volumes, le premier et le dernier, se répondent. Et c'est pour vous donner un exemple. Il considère son œuvre comme une cathédrale. Il utilise de nombreuses métaphores pour désigner la construction de son œuvre. Il dit que son œuvre, il la compose comme du bœuf engelé. Vous savez qu'il vivait aux côtés de sa gouvernante Céleste, qui est devenue presque aussi célèbre que lui. Quand on parle de la commémoration du centenaire de Proust, il faut faire une part aussi à Céleste. Il y a eu énormément de publications et de spectacles autour de Céleste. Et c'est vrai qu'elle l'a aidé à fabriquer son œuvre. Vous voyez, l'exposition de la Bibliothèque nationale s'appelle « La fabrique de l'œuvre ». Donc la construction pas à pas de l'œuvre. Donc la fin du temps retrouvé, qui comprend 3 parties, mais il y a une partie où il y a des considérations esthétiques sur la création artistique, eh bien, ça vient du Contre Sainte-Beuve. Rien ne se perd avec Proust. Ça peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un plus, et puis c'est réutilisé. Donc ce qui devait être dans le Contre Sainte-Beuve est passé dans la fin du temps retrouvé. Et à une échelle plus de microstructure, si je puis dire, c'est pareil. Et il y a une très grande mobilité des éléments chez Proust. Par moment, on se demande s'il n'a pas une mémoire défaillante. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne les caractéristiques des personnages, un romancier, il invente différentes caractéristiques du personnage et le personnage, tout au long de son œuvre, a les mêmes caractéristiques. Eh bien, chez Proust, il n'en est rien. Un exemple, le grain de beauté. Il est très, très observateur et voilà qu'il met un grain de beauté sur le visage de la femme aimée Albertine. Eh bien, une fois, le grain de beauté se situe sous l'œil, sur la joue. Une autre fois, le grain de beauté se situe sur la lèvre. Une autre fois, sur une autre partie du visage. Et quelques centaines de pages plus loin, c'est un autre personnage qui a le grain de beauté. Donc, vous voyez, il y a vraiment une mobilité. Il joue avec cela. Et si vous avez vu le film de Ruiz, Raoul Ruiz, Le temps retrouvé, c'est très bien rendu. Les personnages se ressemblent tellement qu'ils finissent par se confondre. Vous avez Emmanuel Béard qui joue le rôle de Gilberte et vous avez Chiara Mastroianni qui joue le rôle d'Albertine. 2 femmes aimées par le narrateur, mais qui sont très différentes l'une de l'autre. Eh bien, leurs images se superposent parce que dans la vie du narrateur, ces personnages féminins se superposent et finissent par se ressembler. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même façon de concevoir l'œuvre chez les 2 écrivains. Une des questions dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est précisément savoir si finalement Proust a fini la recherche ou pas. Quel est votre avis? Mais non, il ne l'a pas terminé, puisque lorsqu'il meurt le 18 novembre 1922, 3 volumes n'ont pas encore été publiés. Il est en train de relire les épreuves de la prisonnière, mais il reste 2 volumes, Albertine disparue et Le temps retrouvé, qui seront publiés par son éditeur Jacques Rivière et son frère Robert Proust, qui était médecin. Et en même temps, il y a le mot fin, si vous regardez le dernier mot, et il y a un témoignage très émouvant de Céleste, enfin elle est toujours très émouvante, Céleste, de toute façon, et elle raconte comment un jour, monsieur lui a dit « Céleste, il est arrivé quelque chose de très important cette nuit. Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé ?»
vous avez été souffrant, vous avez vu quelque chose. Non, Céleste, j'ai mis le mot fin. Donc, ça veut bien dire qu'il concevait son œuvre globalement, et il se savait malade, de toute façon, très malade. Donc, il a voulu symboliquement être maître de son œuvre, même si, hélas, la maladie ne lui a pas laissé le temps de revoir les deux derniers volumes. Ce qui a suscité des controverses, des polémiques, certains disant que les deux derniers volumes portent trop la marque du frère médecin et de l'éditeur, que s'il avait vécu plus longtemps, il n'aurait pas conçu ces derniers volumes de cette façon-là, il les aurait intitulés autrement. Donc, c'est une œuvre qui a le mot fin, et les derniers, vous savez, vous connaissez forcément la première phrase de Proust, « Longtemps, je me suis couché de bonheur. » Point. Donc, « longtemps », c'est le premier mot. Et les derniers mots avant « fin » sont « dans le temps », avec un T majuscule précédé d'un tiret. Donc, il a vraiment voulu que l'introduction et la conclusion fasse écho, se réponde, et sa démonstration était achevée. Je continue ou... Non, il y a dans Proust, disons, peut-être pas une obsession, mais il y a une grande quantité de symétrie. On retrouve les symétries dans tous les domaines, comme si il avait quelque part une volonté, on a toujours parlé de la recherche comme la construction d'une cathédrale, et une cathédrale, surtout une cathédrale gothique, est par définition symétrique. Une arche correspond à une autre, et cet équilibre entre toutes les parties de l'œuvre sont vraiment exceptionnels, et il y a... On peut citer des symétries. Il y a même des écrivains, des studieux de l'œuvre de Marcel Proust qui parlent, s'il n'a pas été composé, comme une rosace. C'est une autre forme de symétrie. Bon. En fait, tout commence avec les deux côtés. Voilà. Le côté de chez Swann et le côté de Guermantes. Dans le village... puisque Combray, le premier chapitre du premier volume, c'est le village de l'enfance, enfin c'est précisément le village paternel, et c'est le village où la famille allait passer les vacances de Pâques et les vacances estivales. Et la famille fait des promenades dans la campagne, et il y a deux côtés, le côté de chez Swann, le côté de Guermantes. Et ces côtés... sont opposés par différents éléments, géographiquement bien sûr. On ne sort pas par la même porte de la maison quand on veut aller du côté de chez Swann et quand on veut aller du côté de Guermantes. Ce ne sont pas les mêmes fleurs. Le côté de chez Swann, c'est le côté de la haie des aubépines. Le côté de Guermantes, c'est le côté de la rivière, de la Vivonne, donc les nymphéas. C'est le côté de l'art, parce que les nymphéas, ça renvoie aussi à Monet. Ce sont deux milieux sociaux aussi qui s'opposent. Swann, la bourgeoisie. Guermantes, l'aristocratie. Et quand il est enfant, le héros croit qu'on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Et dans le temps retrouvé, après la guerre, la Première Guerre mondiale, il retourne à Combray, à Tansonville. Et il retrouve la jeune fille qu'il aimait quand il était enfant, Gilberte Swann. Et elle lui révèle qu'il y avait un sentier qui reliait les deux côtés. Et donc ça, c'est symbolique aussi, cela, toute une... on peut interpréter. Ça veut dire que ce milieu social, cette représentation du monde qui était fragmentée, eh bien, elle s'est unifiée. Et Gilberte en est une illustration, puisque Gilberte, qui est Gilberte Swann, donc la bourgeoisie, a épousé Robert de Saint-Loup, donc l'aristocratie. Donc ça fait partie de ces démonstrations qui sont mises en place progressivement tout au long de l'œuvre.
Il y en a d'autres. Hein. Il y a énormément d'effets de symétrie, effectivement, dans l'œuvre de Proust. Et la lecture, comment a-t-elle évolué, la lecture de la recherche avec les années? Je pense que on a fait d'abord une lecture biographique. On parlait de l'homme Proust que l'on critiquait. C'est vrai qu'il était très, très particulier dans sa façon de vivre, dans sa façon de se vêtir. Donc on a parlé de l'homme Proust, et même si lui a voulu qu'on abandonne cette critique biographique qui avait régné pendant tout le 19e siècle, bon, ça ne s'est pas fait en un jour, et donc on a appliqué cette critique biographique à l'œuvre, et on a, dans les premières années, et ça les sociétés d'amis de Proust étrangères y ont concouru, il y a eu une véritable fascination pour les lieux, et notamment ce lieu, ce village qui s'appelle Illié dans la réalité, et que Proust appelle Combray. Et les lecteurs, il y a des témoignages dans le bulletin Marcel Proust, du Brésil, des États-Unis, sans doute aussi d'Espagne, venaient découvrir ce village dont Proust s'était inspiré. Au point que ce village, en 1971, a pris le nom de Illié-Combray. Et c'est le seul village de France à avoir été autorisé par le Conseil constitutionnel à associer le nom réel et le nom fictif. Donc il y a vraiment eu une fascination pour les lieux. Bon, la psychologie aussi intéressait. C'est un... Il décortique l'âme humaine. Il étudie très bien la jalousie, notamment la jalousie amoureuse dans un amour de Swann. Donc c'est le type de lecture que l'on a fait dans les premières années. Et aujourd'hui, c'est plutôt vraiment thématique, peut-être une approche plus thématique ou psychologique sur les personnages. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible au style. D'où d'ailleurs l'importance des lectures publiques à voix haute. J'ai assisté il y a une huitaine de jours à une lecture au musée Jean-Jacques Henner à Paris. Bon, c'est un musée qui n'est pas très connu et qui est charmant. Et un comédien, Yvan Moran, a lu sur 3 jours l'intégralité du temps retrouvé. Non-stop. Enfin, je suppose qu'il s'est couché, malgré tout. Enfin, moi, je n'ai pas pu être aux premières séances parce qu'il y avait aussi la célébration du centenaire dans le village d'Illié-Combray, et j'ai tenu à être là-bas pour le centenaire, enfin le 18 novembre, très précisément. Mais Yvan Moran a été merveilleux. Il a été applaudi à tout rompre. Et je voulais être là pour écouter justement la fin dans le temps. Et pendant 2 heures, et il avait lu avant, hein, moi je ne suis arrivée qu'à ce moment-là, pendant 2 heures, il a lu non-stop le temps retrouvé. Donc là, on est très sensible au style, à la poésie, il y a un véritable envoûtement. Et ce que l'on dit aussi, c'est que, il a voulu, d'ailleurs lui-même l'a dit, hein, Proust nous parle, hein, on peut s'identifier aux personnages, on vit avec les personnages, avec Charlus, avec Albertine, et on aime aussi les réunions publiques, enfin, comme vous faites aussi d'ailleurs à Barcelone, les Proustiens qui se retrouvent à Illié-Combray, qui se retrouvent à Cabourg et dans d'autres lieux. Alors, les psychanalystes aussi se sont beaucoup intéressés à Proust. Hein, c'est une mine pour les psychanalystes. Et d'ailleurs, quand j'étais en Turquie, il y a un mois, la dernière journée, c'était une journée avec les psychanalystes. Et c'est intéressant. Évidemment, les neurosciences, voilà, c'est ça, la dernière découverte, parce que les psychanalystes, ça fait un moment hein, qu'ils sévissent, j'allais dire, j'espère qu'il n'y a pas de psychanalyste dans la salle, qu'il s'intéresse à Proust. Mais les nouveaux venus, ce sont les neuroscientifiques. Proust aurait
déjà tout annoncé pour ce qui est des neurosciences, ce qui intéresse les neurosciences, le temps, la mémoire. Enfin, c'est donc le sujet qui plaît beaucoup, qui est beaucoup exploité à l'heure actuelle, Proust et les neurosciences. Bon, pour quelqu'un qui a fait disparaître la mer à partir du premier volume, la mer disparaît, et il faut se rappeler que le brave Proust, quand même, en 1907, je crois, publie un article qui s'appelle « Les sentiments filiaux d'un parricide » au sujet d'un ami à lui qui tue sa mère. Donc, il publie ensuite « Les sentiments filiaux d'un parricide ». Imaginez ce que ça peut produire dans le monde de la psychanalyse ou de avec le père médecin, l'enfant malade, la mère juive, enfin, tout ça, ça peut créer, à mon avis, une certaine exagération inévitable, probablement, mais quand même très surfaite. Quoi. Parce que Proust, on dit toujours, c'était quelqu'un qui était malade, il a été toujours malade, mais un malade qui fait preuve d'une énergie extraordinaire, oui. et qui non seulement se consacre à une œuvre monumentale, mais en même temps est au courant absolument de tout ce qui se passe dans le monde et dans sa société. Et pendant la guerre, il a des opinions absolument sur tout. Il y a des opinions qui ne sont pas les opinions de monsieur quelconque. C'est des opinions fondées. Et bon, alors... Ça donne lieu aussi à une autre légende de quelqu'un qui est là et qui est un dilettante, qui passe son temps à écrire, alors que Proust a donné un exemple, à mon avis, d'un homme d'une énergie, malgré sa maladie, d'une énergie absolument extraordinaire. Maladie qui était probablement combinée avec une certaine... c'était probablement un hypochondriaque en même temps, mais bon, il était aussi malade, et il a toujours été malade, ou en tout cas souffrant, ou d'une santé très délicate. Eh bien, pour quelqu'un qui a une santé délicate, bravo, parce que il a quand même fait une quantité de choses dans sa vie qui est extraordinaire, ça. Il s'est épuisé, ceci dit, je pense que s'il ne s'était pas autant consacré à son œuvre de façon obsessionnelle, il aurait sans doute vécu plus longtemps. Oui, il souffrait d'asthme, il a eu sa première crise d'asthme à 7 ans dans le bois de Boulogne. Il était avec ses parents, son père médecin, qui va devenir un grand hygiéniste de réputation internationale, qui invente le cordon sanitaire. On a beaucoup parlé de lui au moment du Covid. Eh bien, reste impuissant face à cette crise d'asthme. Et il faut quand même dire que Proust est assez dur à l'égard des médecins dans son œuvre. Hein. Cotard n'est pas la personne mise en valeur. Et bon, les médecins restent impuissants face à l'agonie de la mère, et puis ils l'ont été aussi face à la sienne. Mais est-ce qu'il voulait vraiment guérir? Je ne sais pas. Enfin, de toute façon, il avait besoin encore de quelques temps pour corriger. Mais bon, c'est vrai qu'il a eu une relation très particulière avec sa mère et qu'il a toujours été sensible à ce thème-là. Et avec le frère et le père, une relation pratiquement absente. Oui, oui. Enfin bon, malgré tout, le frère était là au moment de son agonie, et il a essayé de le sauver, il n'est pas parvenu. Le père, oui, on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de lien, pas d'affinité entre lui et son père. Bon, il y avait une éminente proustienne qui s'appelait Marie Miguet Olagné, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, et qui, elle, défendait l'image du père, et on a quelques lettres, où l'enfant s'adresse avec beaucoup de tendresse à son père. Mais il faut savoir aussi que le père était un homme très occupé avec son activité de médecin, son action, son rayonnement international. Et c'est vrai que le frère est devenu médecin. Donc il y avait d'un côté
le monde de la médecine et de l'autre côté le monde de la culture. Sa mère était une femme très cultivée, donc il y avait peut-être plus d'affinité entre les deux. Mm-hmm. Si us sembla, obrim el torn de paraules, el torn de preguntes. Si voleu fer-les formulades en català, cap problema, perquè doncs, es traduiran a la Madame Naturelle. Si teniu ganes de formular alguna pregunta, aprofitant... Bueno, mentre van pensar en alguna pregunta, jo volia vous demander quel est l'aspect peut-être le moins connu de Proust, celui qui a resté un peu éclipsé par d'autres aspects plus, je pense à la Madeleine, à la mémoire involontaire. Est-ce qu'il y a des aspects que c'est dommage parce qu'ils sont passés un peu de côté? Peut-être qu'on a trop représenté Proust comme un mondain et qu'en fait il était assez proche du peuple, très proche de Céleste notamment, qui a vraiment été le substitut maternel, qui a toujours, vous savez, connaissez sans doute l'histoire de Céleste. Proust avait des chauffeurs de taxi à sa disposition, notamment Albaret et Monsieur Albaret. Et Monsieur Albaret, qui était d'origine auvergnate, part à un moment donné pour épouser une jeune fille de son village. Et Proust déjà a la délicatesse de lui envoyer un témoignage de félicitations dans son village même. Donc, et le jeune homme revient avec son épouse Céleste, qui était très attachée à sa mère et qui donc est en pleurs à Paris parce qu'elle est très éloignée de sa mère. Et ça a sans doute touché Proust, cette souffrance due à la séparation d'avec la mère. Et là-dessus, donc pour occuper cette jeune femme, il lui fait porter les exemplaires d'hommages du côté de chez Swann. Donc elle va à travers Paris remettre les exemplaires d'hommages aux amis de Proust, à ses connaissances mondaines, et la guerre éclate. Son mari est mobilisé, et bien pour ne pas qu'elle reste seule dans un appartement, Proust lui propose de venir s'installer chez lui, ce qu'elle fait, et elle y restera jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Proust. Donc elle a vraiment dédié sa vie, consacré sa vie à Proust, qui ne devait pas être facile tous les jours, qui avait un rythme de vie très particulier, hein, quand elle devait l'attendre jusqu'à 6h ou 7h du matin qu'il rentre enfin, qui la dérangeait constamment pour lui apporter ci, pour lui apporter cela. Mais en tout cas, elle est devenue sa confidente, elle l'a beaucoup aidé dans la fabrication de son œuvre, notamment avec les paperolles dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Cuiteau, et je n'ai pas rebondi, donc je le fais maintenant. Proust, donc je le disais, déplaçait beaucoup d'éléments. Alors, quand il était encore en bonne santé, il recopiait des passages d'un cahier à l'autre, et quand il devient très fatigué, il n'a plus la force de recopier, donc il découpe. Il découpe les morceaux de cahier et il les colle dans un autre cahier et il les allonge même en collant d'autres morceaux de papier. Et vous avez comme ça des paperolles qui se déplient, qui peuvent faire 2,50 m. Et c'est donc Céleste qui a inventé ce terme de paperolle. Et Proust est resté célèbre justement pour ses paperolles. Donc vous voyez que le mondain était capable aussi de générosité. D'ailleurs, elle a hérité de beaucoup de meubles de Proust. Elle était capable aussi de générosité, d'écoute à l'égard des personnes qui n'appartenaient pas à son milieu. Je pense en plus qu'elle apparaît en fait comme personnage, oui, non, dans Sodome et Gomorre, avec le nom et le prénom. Tout à fait. Oui, je l'ai cité justement dans L'Arche et la Colombe. Elle apparaît avec sa sœur, parce qu'à la
fin de la vie de Proust, enfin quelques années avant, elle fait venir sa sœur Marie Gineste pour l'aider aux côtés de Proust. Et Proust, dans les derniers volumes, a mentionné des personnes réelles. Les Larivière, qui était une famille qui tenait un restaurant et qui était en lien avec les Albaret. Et donc, il les cite pour les remercier, parce qu'ils ont été héroïques pendant la guerre. Et il donne la parole aussi à Céleste et Marie. Les rôles s'inversent. C'est Céleste et Marie qui parlent du héros. Et elles sont très, très, très drôles dans leur créativité et dans leur façon de se moquer de Proust, qu'elles comparent à un oiseau ébouriffé. Enfin, elles sont très, très drôles. Donc, il leur donne la parole aux deux sœurs. Una pregunta. Juste, est-ce que croyez-vous qu'on va trouver d'autres inédits encore ou c'est déjà très difficile? Bon, il y en a évidemment de moins en moins, mais on en trouvera d'autres. Enfin, il en a existé d'autres. Est-ce qu'ils existent encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aurait une version antérieure encore à celle de 1907. Mais est-ce qu'elle existe? Ça, c'est une interrogation. Et puis, il y a toujours cette lacune qu'on ne pourra jamais combler, des cahiers qui ont été brûlés par Céleste. Elle dit dans Monsieur Proust, puisqu'elle a, on lui a fait écrire un livre à Céleste, si vous avez envie de découvrir le personnage qui était Proust, lisez le livre de Céleste, Monsieur Proust. C'est très, très intéressant, très drôle aussi. Donc, elle mentionne les livres, des cahiers, pardon, 32, je crois, que Proust lui a fait brûler. Alors, pourquoi lui a-t-il fait brûler les cahiers? Je ne sais pas. Mais et puis, il y a toujours des ventes d'autographes, des lettres de Proust. Là, la Société des Amis de Proust vient d'en acquérir deux encore. Donc, il y a aussi une mobilité dans ce domaine aussi. Plutôt du côté de la correspondance, des lettres. Oui, surtout la correspondance. Oui, surtout la correspondance. Mais on a aussi vendu beaucoup de manuscrits il y a quelques temps. Et puis, cette découverte qui a été phénoménale des 75 feuillets, bien sûr. Et on passe en vente aussi assez régulièrement des placards d'une édition de luxe des Jeunes filles en fleurs. Quand il publie Les Jeunes filles en fleurs, Marcel Proust a apparemment des besoins financiers. Et donc, il compose des placards, c'est-à-dire qu'il découpe des morceaux imprimés et aussi des morceaux manuscrits dans les cahiers. Et il fait de beaux placards, donc ils font à peu près... On en a fait des tableaux. Et il y en a une cinquantaine qui ont été vendus. Et donc, de temps en temps, il y a... une personne qui détenait un placard qui le met en vente et bon, ça coûte très cher les placards des Jeunes filles en fleurs, ça coûte de luxe. Oui. Bon, je crois que oui, juste à propos de une dernière question plutôt anecdotique mais assez sympa. On a vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques, je pense 3 ans, ces images d'un monsieur qui descend les escaliers de la Madeleine. Et on a beaucoup parlé, c'était Proust ou pas, non, ces images qui ont fait le tour du monde. Quel est votre avis? Oui, ça c'est... Cela illustre tout à fait ce que j'appelle la proustomania. C'est-à-dire... donc dès qu'il se passe quelque chose qui est bon, d'un intérêt pas forcément capital, aussitôt les médias s'en emparent et à partir de là... C'est... Un chercheur, je crois, canadien, a fait cette découverte, un documentaire qui relate le mariage de Monsieur Guiche avec quelqu'un de la famille Greffel, enfin, un mariage auquel Proust a été invité. Et dans ce documentaire, qui est d'une durée très, très, très limitée,
on voit un personnage qui descend les escaliers, et ce chercheur canadien a estimé que c'était Proust. Alors, aussitôt, cette phrase a été mise sur la couverture du recueil dans lequel était publié l'article. Déjà, Laure Hillerin, qui avait fait la biographie de la comtesse Greffule, a dit « Ah, mais je l'avais déjà signalé, mais personne n'y a prêté attention ». Enfin, là, par contre, les médias se sont emparés et le monde entier s'est partagé en deux, ceux qui considéraient que c'était Proust et ceux qui considéraient que ce n'était pas Proust. Alors, il y a eu des démonstrations par des polytechniciens. Ils ne pouvaient pas marcher de cette façon-là. On a publié d'ailleurs un article dans le bulletin Marcel Proust. Bon, a priori, ce ne serait pas Marcel Proust. Désolée. Donc, bon. Bon, bien, donc... bon, merci infiniment. Je crois que de votre présence parmi nous et finalement, je crois que cette auguste maison continue dans sa tradition et son admiration pour Proust et pour des gens comme vous-même qui avons passé pratiquement toute la vie. commentant et étudiant l'œuvre de Proust. Voilà, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valéria, et merci à tous.